internaute Samba Olongaza le plus heureux. Il y a Kwe Babino Ebele à travers la République démocratique du Congo, à travers Le Monde, Nabolandi, émission Nabino Yaba éclairé. Debout Congolais, merci pour la fidélité au Bopé Sakamiso, merci pour la confiance Nabino. Nabolandi, chaîne Oyo GKM Télévision, P émission Nabino. Debout Congolais. Beaucoup de partager l'actualité dans Bissot. Ce que vous avez déjà en direct, je vous signale que Ngapé Naza, comme d'habitude, en direct, GKM Télévision, je suis à Kinshasa. Laissez un commentaire depuis Wapio Zali Kolanda Ndeko, Samba Olonga, des pères et des mères. Partagez les lives, dites-nous aux Ali, Wazalendo Topé Fardese Namotema depuis Wapi na République démocratique du Congo. Justice Yanzambe et Ratakate. Justice Yanzambe Moto Mokote a échappé à contrôle Nango. Ils allient rituel. Il y a émission Oyamboué Bandako rappelé dans ma commère des mortels qu'il y a une justice invisible. Justice ou invisible. Ils allent rappeler à Bissonion sort. Mabe Topé. Malamu yo kosalaka, kosalango na nkuku, kosalango na mpwasa, litomba tope e yanonango, ezali, yebaka kaka kosalaka malamu po, to ou tard, tu finiras par payer les prix de tes actes. Veuillez partager les lives, je suis en direct comme d'habitude. Bon partager, penda boko banako partager. Là, je sais que vous êtes déjà nombreux à rejoindre cette plateforme. Vous partagez pendant massivement. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo accuse les Rwandais de brouiller son système de transport aérien. En tout cas, c'est ce qui ressort du communiqué publié par le gouvernement congolais. Tokolovela, vraiment. Sangwana, Oyo, RDC, Zali, Kota, Lisaki, système d'aviation Nabiso. Ils allaient brouiller par des pirates identifiés être de l'armée rwandaise. Naba supplétif Nabango, il y a M23. Nous allons parler aussi dans cette actualité, na Luanda, face à face, République démocratique du Congo, Rwanda. Ils allaient réunion ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et la République démocratique du Congo. Pour la RDC, na ministre des Affaires étrangères rwandais. En tout cas, aux côtés de notre ministre des Affaires étrangères, Tomoni, directeur général, il y a ANER, Azali Wana, Tokolo Belango, Nini, Ezali Koleka, na Rwanda, et Loro Nini, Tokoiko Zela Penda, na beaucoup Taniwana, parce que la RDC avait beaucoup insisté que les seuls processus reconnus, Oekoki, Lissousou Kosangisa, Rwanda, na RDC, Ezali Kaka, na Rwanda. Tokolobela nakati ya émission Oyo procès à Corneille Nangaé consort ministère public asengi peine ba peine lourde pour na ba 26 prévenu Oyo 5 bazali kaka prison peine capitale nde ezali penda esengami pour na majorité ya ba prévenu sauf le frère de Nanga monsieur Nanga Baseane yende basengeli 20 ans ba bien immobilier ya Corneille Nanga pe ya mwasi na ye. Na ya Jean-Jacques Mamba, ils ont déjà placé sous séquestre. Tokolovelango na kati ya émission Oyo ya moto sukisa. Nous allons parler na ba propos ya président Félix Tshisekedi face à la diaspora en Belgique. Il a abordé question ya nationalité na diaspora, ils ali ko préoccuper au plus haut point. Est-ce que sengeli que ba congolais Oyo bazali ko koma ba congolais ba zwa n'importe quel poste ba fonction nyonso bango balingi na kati ya mboka. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il pense, mais il reste attaché à la nationalité congolaise pour la Union Bazali Kosengango. Wanande, actualité, Tokosili Sanango, Basango, Nabiso, Ya Mokolo, Ya Lelo. Merci, Nabandeko, Union So, Bazali, pour rejoindre Biso en direct sur GKM Télévision. Veuillez liker et partager l'actualité. Je vous signale que je suis en direct. Bato Bozolou Lamouniere, merci beaucoup. Mouniere Zakaka état d'esprit, il y a un toujours partagé. Na bino lelo mouniere ezebele. Ceux qui posent moussous soubaki si kaka. Mouniere Zakaka ndinge Zakaka. Merci à vous.
Merci de partager l'actualité avec GKM Télévision. Veuillez partager, s'il vous plaît. Ndengenga Penazali, Kosa la partage, faites-les dans vos groupes WhatsApp pour partager l'actualité pour l'actualité Zonga Kassimate et Zonga Kendende Liboso. Donc, ce qu'on a en direct, ça la Lokola Ngai, Kabola Penda, actualité dans 5 groupes, 6 groupes WhatsApp. En tout cas, ça la Ngama Lamou que Tozali, pour partager na ba voisin pour Bango Pebazala éclairé. Voilà, na Zongi. Na actualité na biso ndenge na sila ki ko annoncer ngo na sommaire communiqué moko ya République démocratique du Congo ezali ko mentionner Rwanda ko accuser Rwanda que azali à la base ya brouillage ya système ya transport aérien na ye. Donc la République démocratique du Congo accuse les Rwanda débrouiller des systèmes d'aviation aérien. Problème Oyo, ezali ko surgir ba monique, ezali ko causer ba problème na ba vol pour na partie ya Goma, ezali ko inclure Beni, Butembo, Kibumba na Kanyabayonga, selon les communiqués du gouvernement congolais. Donc, gouvernement congolais attend ici réellement que cette menace provient bel et bien du Rwanda. Mais en gros, Bango Bazali Kotalisa, na opinion nationale et internationale, Mabe Oyo Rwanda Azali Kosala. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité, vous voyez que Ezali Sikawate Nde Likambo Ebandi. Il y a de cela 3 mois, tout le bavoir plus, que la République démocratique du Congo avait remarqué que ezali na système moko ya brouillage, oyo ezali ko déconnecter topé ko désorienter ba pilote o bakumbaka ba avion o ezali ko survoler espace aérien congolais o ezoya ko atterrir na sur les sols congolais. Et problème Oyo, ezali kokoma de plus en plus fréquent que lelo gouvernement congolais a lobeli yango dans un communiqué pour exposer les Rwanda. Je pense que ba interprétation ezali mingi awa concernant menace wana. Déjà batu lelo batangi communiqué Oyo, certains sont nerveux, les autres sont fâchés. Comment biso tokoki kolela les communiqués de la RDC pour dire que tous allez qu'on informe dans l'opinion internationale et nationale, et allez façon y a pour les là tout reçoit ma responsabilité na biso. On a na quoi répondre à la question on a sima parce qu'il y a encore des informations à donner. Mais ce qui est important, ce qui est important au Etoroi Koloba, et allez d'abord premièrement qu'on ait ma source y a les Kambo, et allez wapi. L'armée congolaise tant que ils renforcer, tant que outils qu'ils allaient renforcer, l'aviation militaire, basukoi, tout le monde basukoi, ils allaient qui nasser, batterie missile en gros, badrone ayez. Cela a fait subir des pertes énormes à l'armée rwandaise. Ils allaient information tout ce qui les sous-soukouban de la popée sati. Armée ya Rwanda et subir bas pertes mingi à cause y aviation y a FARDC. Cela avait obligé les Rwandais, pour ne pas dire Paul Kagame, yakoluka ko développer pe capacité na bango ya résistance ndenge nini bakoyi ko se défendre. Pour na bato pe bako se souvenir boyebi que Rwanda ya Paul Kagame balobaki ke bakozwa ba disposition nyonso o ezali na bango pour na ko sécuriser espace aérien na bango to pe ko sécuriser mboka na bango Rwanda. Ils l'ont fait, mais à leur manière. Basombi ba drone te, basombi ba vieux à ma cassité, mais basale mosko na lengo ba terroriste singeli basala. La première fois, je pense que l'information on a toujours ka yango. Drone moko congolais, ils ont ka touché. C'est-à-dire, on a piraté. Bato ba yebi peut-être te pour la mission nyon soto yebite. Ndenge nini système d'aviation ils ont ka. Donc, GPS, avion nyon se zali na système. A communiqué
na babisika don na central où ils allaient quoi mettre couper ça y est information y a bas zone risqué ça dit ce qui les colos avion ils allaient information bon côté a couru coco en collision na avion mousus GPS ne permet à gaier à communiquer na monde extérieur pour na couper ba zone ni na couper coco ta direction ni ni à singeli à zoa pour à tout à l'heure, avion mususu te topé à côté na ba zone où ils allaient dangereuse. Donc, oyo ba Rwanda bazo sala. Conséquence nango ezali que le pilote qui est désorienté pendant qu'azali kolo, soki ayebi zone où ya za kotambola malamu te, a se référer na mauvais signal oyo ba pesier na ba pirate avion na ye ko sala crash topé ko kuta na likama. Voilà ce qui se passe avec les Rwandais. Donc les Rwandais batali ba moni que la seule façon pour eux de clouer les avions congolais au sol, parce qu'il faut qu'on ba awa dans la réalité que objectif à ba Rwandais ezali pendant mingite ke ba désorienté to ba paralyser aviation civile, l'objectif ya ba Rwandais ezali que ba empêcher République démocratique du Congo ba utiliser matériel militaire volant oyo bazana yango te. Voilà pourquoi les Rwandais ont préféré utiliser des pirates par des systèmes informatiques informatisés baye baka ko désorienter ba pilote na biso. Selon la République démocratique du Congo, ils ont déniché bazali na ba preuve à travers les experts habilités ba découvrir que menace wana ezali ko uta na territoire rwandais via ba terroriste na bango ya M23. La question qui se pose est ali que tout si toyebi information oyo il y a de cela près de 3 mois. Qu'est-ce que la RDC fait? Sommes-nous en train de pleurnicher ou peut bien biso pe tozali na ba mécanisme oyo biso tosi tozui pour remédier à cette situation? L'information que nous avons est ali que la RDC n'informe pas parce que elle n'est pas aussi en mesure ya ko contrecarrer topé ko bundana problème wana. Mais la RDC informe parce que activité ya Rwanda ezali lourde de conséquences sur le plan international, ce qui ezali vérifier que Rwanda azali ko menacer aviation civile congolaise bavion ou ezali ko survoler sol congolais na ba localité eza na Congo ba kozala sanctionner. Ba sanction na bango eko kende en termes de beaucoup d'argent, ba sanction na bango eko kende en termes ya ba sanction na bato yo ba résistaka aviation sur le plan mondial. Donc les communiqués de la RDC pas pour na kokote la gouvernement congolais ezali communiqué moko ezali pe ko exposer activisme to terrorisme ya gouvernement rwandais. Le Rwanda n'est pas en guerre officiellement avec la RDC. Mais pourquoi il faut mettre en danger la vie des citoyens qui sont en train de circuler dans l'aviation civile? Donc, il y a un problème qui se passe, Zali, qu'au niveau technique, la guerre a pris d'autres dimensions. Guerre, il y a RDC na Rwanda. Et ça, quand on a un niveau, il y a Bamindou qui sophistiqué ndenge toza ko mona ba militaire na biso ba komi pe na ba arme automatique ebele tozo mona kaka ba char de combat zo ba kisamati. La guerre ici est comme une guerre moko moderne ou sur le plan numérique aujourd'hui guerre est comme une guerre ya ba informaticien, guerre ya ba génie. C'est-à-dire pour les Rwanda baza capable même les lots menace oyo Russie a représenté pour la Russie est capable de pirater les systèmes informatiques de beaucoup de pays européens peuvent paralyser l'activité ebeli. Donc la guerre aujourd'hui au 21e siècle, ce qui troisième guerre mondiale y est, la guerre la plus rapide que le monde n'a jamais connue à cause il y a développement, il y a la technologie, il y a information, il y a communication. Donc c'est ce niveau là exploité par les systèmes de renseignement il y a par Rwandais. Pona kobanda ko déstabiliser la République démocratique du Congo. L'information que nous avons, à moins que cela change, Zali, que les Congolais aussi ont tout intérêt, et ça s'est fait déjà, d'engager des gens oyo bazali na maîtrise ya ba système wana. Système informatique, il est capable même pour certaines armes. Ba komisé libino ngo ba jouer.
c'est-à-dire vos sombi na bino, ba yibi kaka ba numéro nango, ba tali ndenge nini, ezali ko fonctionner, ba clouer ango au sol. C'est-à-dire comme nango ba jouer. Ici, c'est un défi même pour ba acheteur na biso ba bato, ba acheteur to metolo ba officier militaire na biso na bato bazali na chaîne ya commandement, ba kenda ka kosomba ba minduki. Il faut ba yeba minduki nini bozo kende kosomba. Ba drone nini bozo kende kosomba. Vérifier toutes les informations en amont ce qui est au départ cause la na information nyonso parce que otali pe même ba chinois otali même ba to baza oteka minduki baza na jewana ko muto azo fabriquer munduki azo fabriquer pe antibal donc ba ope bazo fabriquer antibal bazo fabriquer pour certaines balles au monique balles wana ko percer en ope donc comme dimension par dimension il y a une aventure au ekoti na rivalité tozali ko benga guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ezali que plus le Congo se militarise plus le Rwanda c'est ça en besoin dans les besoins il y a pour renforcer système na bango ya sécurité et là la folie de Kagame le pousse à agir même comme un terroriste armé wa ezali normal tant que vous êtes en guerre na pays wana te boko agir bongo te. Il y a un peu de monde par conseil que le président Félix Tshisekedi a dit que la diversité et pour Sakamoto a développé un mécanisme de défense. C'est-à-dire, ce n'est pas les intelligences qui manquent, mais c'est l'organisation. Il faut faire appel à l'ONU. Dans les médias, les militaires sont basés sur une expertise où il y a Tango ya Mobutu. C'était un bon général. C'était un bon colonel. La guerre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque à Mobutu. On avait une armée solide. On a nous pété, on a quitté Biboulo, ceux qui ont tombé, on a gagné, on a gagné. Il y a une époque où mais c'était des gens bien formés. Mais aujourd'hui, recyclage, il faut être à la même pour un bateau, parce qu'il y a une meilleure époque. La guerre, il y a les lois technologiques. Les guerres, il y a haute dimension. On a même un robot militaire qui va continuer à terrain. Donc les engins, on peut abakoko bomela bino président engin moko ya muke ba bomeli bino yé. Mettons, il faut mutualiser le force, faire appel aux jeunes gens, créer une structure spéciale. Tout c'est basé kaka té na génie militaire ya pamba mais il faut une entreprise militaire sérieuse qui met à compétition les génies congolais. Tozangi mbongo té pona ko sala yango. Au lieu de gaspiller beaucoup d'argent pour acheter des armes, moussou se ko risquer cloué na mabélé. Il faut mettre ces jeunes Congolais qui ont toutes les possibilités en compétition. Ou associer Bango na Batu Oyo, Baza déjà capable. Bazani na Bangote. Ba Coréen Baza, Ba Chinois Baza. Soki Bobengi Bango na association d'expertise, Bokumona ki Ba Congolais Baza très intelligent. Et là, on a remarqué na moni zo zo na biso pa Ba Congolais za sagesse et habitat ki biso tenza makomi ko sunga biso malem malembe. Sous l'air Tshisekedi pour tout renouer na sagesse mais ming tout ça intelligent mais intelligence na biso ezali kozala ko permettre biso te que to sangana bolingo soke zate intelligence se serva ka mutune loko mokoti. Donc cette question du brouillage ya système ya transport aérien ezali déjà en passe d'être résolu mais l'exposé ya gouvernement congolais ezali pona ko mema Rwanda. Donc, on a procès au Tchabango devant justice internationale par rapport à l'acte Bango Bazali composé. Et c'est le plus mieux au Bagoyi Kosala. Donc, pour le reste, les alliés défaillants et armés n'ont pas sauté. Donc, on a attaqué Bango. Ils travaillent aussi. Il y a une riposte dans ça. Mais riposte, on a tardé parce qu'à l'issue, la négociation est qu'on a eu l'Anda Awa et qu'on a risqué de faire ça. Makambo Moussousou. Donc, il faut aller rapidement. Le deuxième point, c'est aussi le plus important. Et ça, en lien à titre, c'est face à face Rwanda, na RDC, na Luanda. Tout le monde a dit qu'ils allaient dans l'aventure Moko et Salami pendant ces mois ou encore les mois passés. Il y a ba soi-disant négociation moko oyo RDC a participé à qui et
ba négociation wana ezalaki que Rwanda na République démocratique du Congo ba trouver compromis. Le gouvernement congolais n'a jamais accepté qu'il y a un autre cadre de concertation ou de discussion entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en dehors du processus Oyo Ezalina Luanda. Félix Tshisekedi a déjà mis d'une certaine manière la croix dans le processus Ndenge Zalaki Kotambole na Nairobi. A Monikuna, ou bien peut-être que Alingaki Acha Bango devant un fait accompli que l'affaire de Tutsi Oyo Basangelie na EAC ezana ngo d'importance, c'était le peuple congolais a finalement raison de se méfier de l'EAC. Donc aujourd'hui, le seul processus crédible aux yeux du gouvernement congolais ou de Félix Tshisekedi, c'est celui de Luanda. Donc, awa tozali koloba wa, awa pe moya kotila bino ba photo ezali te, mais les réseaux sociaux ezala ka melayi na kanti deja possible moni moni yango. Mais awa tozali koloba, lorsque ce sont des négociations claires auxquelles l'État est engagé, tozo komona flouté. Ezo ko paraître clair. Tout moni ministre ya Congo ya affaires étrangères. Tout moni ministre ya Rwanda ya affaires étrangères. Ce qui est ici plus important à souligner, Ezali, que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo est accompagnée, il y a directeur administrateur général, il y a ANER, Agence nationale de renseignement. Prudence et maire de sûreté. Là, on pense que le président Tshisekedi a compris que moni défaut monene oyo va envoyer na biso na banani musu bazo kende nango, ils ne sont pas beaucoup renseignés. Akei batindi na makambo mais akomi kuna boye ba piéger ye po ba bimisa aventure mususu o eza na rien à voir avec ce que le président attend ou le gouvernement ou encore le peuple congolais. Cette fois-ci, la ministre des Affaires étrangères s'est fait accompagner par l'administrateur de l'ANER. Wana eza penda likofi bakangi na sima bazolanda ye nango. Donc moindre bitumba a s'effacer. Parce que guerre munene oyo kagamaza nango ya kolekisela ngo Tshisekedi tango na ce qu'on peut appeler échange ou de discussion ou encore négociation selon les termes sur le plan international ezali ya kolekisela Tshisekedi tango à travers ba service à renseignement. Donc chaque fois que Tshisekedi envoie des délégations, Kagame a piégé ba délégation wana na ba renseignement. C'est que nos délégations ont une défaillance de renseignement. Tokei, tozala loger na hôtel tel, ou moni basali bino eloko moko ba tourner bino en bourrique. Ndenge basali tata oyo ba uti kolongola musala awawa. Monsieur Jean Bosco oyo baala. Voilà. Akei makambo mususu oyo asengela ki ordre de mission. Soki pa li mbongo. Wawa biso ezala ka soki muto afuté akoma ka Rwanda. Donc ici a changé déjà nationalité. Bah oh nyonso ba yebaki ba wangani a ozala suna tata te komi Rwanda. Mais quelque part il faut s'armer. Étrangère na numéro 1 ya renseignement monsieur Injun Kakiak papa na tawana oui a pembe ezali kozala pe prudent de la part ya Félix Tshisekedi parce que à vrai dire Tshisekedi ne fait que dévier les complots internationaux. Ce qui toke na ngope na lolenge sengeli, il n'y a pas un argument solide oyo ekoki kovanda salisusu mesa moko Tshisekedi na Kagame. Mais parce que sur le plan diplomatique on évite souvent d'être seul, donc Tshisekedi akoki te koboya mokili mobimba se retrouver ye moko, c'est être en étau wana opesi bango raison basala bino du n'importe quoi. Donc il faut toujours trouver un moyen pour échapper aux critiques na complot international. Yango moni ah ceux qui balobi processus au moni Tshisekedi azo continuer pour frayer chemin pour à garder contact na ba membre ya communauté internationale tout en sachant que nous sommes victimes d'un complot. Et le onini bakeyu ko luka na Luanda bande ko musuba ko bosana na Luanda l'année passée il y avait déjà un agenda pour Kagame. Après ça qui raison à l'obi, il y a des réfugiés congolais au Rwanda.
oyo bazali ko se sentir te en sécurité. Bango nde mutu bazali à la base ya activisme ya mouvement M23. Il y a des Congolais touti oyo bakimi bazali ebele na Rwanda, bazali na Uganda, il faut bazonga na mboka na bango. Ceux qui sont aussi au Congo sont menacés, bazali terrorisés. Yango nde ko ikosa la keza la problème. Tshisekedi amoni yango keza argument oyo ezali pris en compte même par les organisations internationales HCR azali ko landelango. Bamoni ke oui, quelque part ceux qui biso to continuer ko tenir langage ya ke le Rwandais rentrer chez eux, tout ça problème, tes problèmes ezali déjà résolu. Bon, nous sommes d'accord. Qui sont les Rwandais qui sont chez vous, les Congolais qui sont chez vous? Oh, bazali ceux qui c'est tant quelques 1000 ou 80 000. Parce que les HCR fait les contrôles. 200 000 Rwandais vivent sur le sol congolais. Oh, bah ça bien répertorié. Oh, yo, bah yebani, bah kota ki na voie légale. Parce que oh, yo, bah koti na infiltration, nan denge na bango. Bah koti na madousou, oh, izaka polele na mboka na biso. On ne peut plus clair. Wana bah kota na bango, bah musutu lubaka na bango lingala wa. Sur les bases administratives, exacte, oh, yo, kota li sake muto yo, a une nationalité congolaise. Donc, Kagame nous a piégé. Argument na yo au niveau international ezalaka que batu oyo bazali menacé etni moko eza menacé na Congo yaka ko créer ba problème e pananga et associé à cela le FDLR. C'est les raisons simples et claires oyo to ko expliquer na congolais et ça la que Félix Tshisekedi a continué ko accepter qu'il y ait des échanges. Cadre wana ezali pe déjà bien établi depuis Nairobi que processus y a retour y a ba réfugiés ezali. On identifie les réfugiés ba autorité locale provinciale ba ko travailler pour na koluka ndenge nini ya koyamba ces gens-là qui se disent congolais. Mais ceux qui bandeko na ngabo moni makambo ezolika na Rwanda ba soi-disant congolais ango oyo na communauté internationale aza kolobela HCR a répertoria, ils sont là-bas on dirait bana ya Kagame baza ko pesa Tshisekedi ba ordre au moni bango ndenge ba lateli. C'est comme un mouvement organisé, basi ba formé bango, batindi bango sikoyo bokende. Tshisekedi a pesa bino vous êtes dans les droits, c'est votre pays. Nous avons un problème, mais pour dévier ce problème là, il faut aussi être préparé. Et moi, j'encourage le président Félix Tshisekedi dans le sens il y a que azali pe d'ako lobela likambongo, mais il faut déjà na niveau ya biso na ngambo na biso to ye bandenge nini to ye ko sala. Depuis le dialogue intercongolais Oyo déboucha qui n'a accord global et inclusif, cette question des Rwandais avait déjà été résolue. Pour éviter, Oyo et Outa et Salema na Balkan, Kuna et Memater, Moyo balkanisation, il faut considérer la question touti avec beaucoup de stratégies. Yango, au moins, le gouvernement ya Congo a yambakali kambo ya batouti. Donc, il y a des Congolais d'origine rwandaise, des rwandophones, Oyo bakoma déjà ba Congolais. Mais il faut ces gens-là bien les identifier, bango nyonso. Comme Bazali ko représente problème moko d'ordre stratégique, et que Bazali na katia ba institution, mais Bazali na problème question moko lié na loyauté. Système na biso ya renseignement, il faut y contrôler batouana nyonso. Mon côté, il faut échapper na contrôle wana. Comment faire pour que ces gens-là ne soient pas, denge salemaka na époque ya ba Etienne Tshisekedi, batouana ba ko yiko vivre na frontière te. Loko la bazali ko poser problème entre Rwanda na biso bakoki kozala jamais na frontière ba population wana, il faut trouver une solution pour ça. C'est une question oyo depuis Tshisekedi nanu kuta bota mite question wana déjà zalaki question otozali ko lobela sika. Donc là-bas Rwanda bisika bazali Kagame évite beaucoup ces circuits là parce qu'il évite ces circuits moko très direct oyo eko exposer yé. Kuna na Luanda bazali kolobela M23, mais les représentants connus oyo bazali komona ya M23 ezali Kagame. On parle d'un mouvement terroriste, mais mutoyo akoya ko représenter mouvement terroriste azali membre ya gouvernement wana. Si ce n'est pas Kagame, c'est un membre de son gouvernement. Félix Tshisekedi a déjà gagné une bataille dans ce sens-là. Mutu moko te sur le plan international akoki koloba lelo que les M23, c'est un mouvement où ils allaient lier dans les affaires internes à Congo. Chaque fois qu'on discute, on parle des M23 au niveau international. C'est Kagame qui représente les M23.
Donc côté wana tu sais que dans l'ingili sous tu es la débat wana on en parle autrement. Oyo bazali ko sala na Luanda pour chiter ezali nango détour. Les vrais combats et les Américains et les Français le savent. Kagame doit partir. Bazali ko embrouiller nyonso bazali ko embrouiller parce qu'ils évitent d'être salis. Bazali ko banga que Kagame a exposé bango. Azana ba secret ya nyonso basala ki na bango, il est prêt à tout déverser sur la place publique. Et pour éviter que asala bango bozoba, bazali ko souffler le chaud et le froid. Tantôt on les condamne, tantôt récupérer ba militaire nayo, tantôt c'est le modèle d'organisation. Dengue to moni Macron oyo auti ko surprendre biso. Bon, pour nous autres c'est pas une surprise. To moni cérémonie moko diabolique satanique. À la place d'une belle cérémonie des Jeux Olympiques, on a vu ce que les mondialistes, ce que les satanistes veulent présenter au monde. Bango balingi va présenter bi son monde dans sens na bango. Babo ma famille, famille est comme artificielle. Ya bazu papa maman, ba comme ici ango famille réelle. Cette démonstration là, il a qu'ici que toza en guerre spirituelle, spirituellement et physiquement. Guerre pour l'éducation à bana na biso. Guerre pour la Makambwebele, aujourd'hui ça ne sera pas facile avec certaines valeurs, avec de certaines convictions par rapport à Ndengo Yebeli Nzambe na yo, et ça difficile le lot d'élever un enfant en France et d'être chrétien, d'être musulman. Ça devient très compliqué avec l'ordre de Macron et de Biden et les autres, Oyo, Bazali na ba secte na bango. C'est pour dire que aujourd'hui, le monde est confronté à la difficulté et Zali Kosala que des dictateurs vont partir. Kagame, Tshisekedi a silencié Mayeli. Manœuvre nyonso Kagame a commis Kosala et Zali de nature à faire passer le temps, gagner le temps, juste seulement le temps pour na continuer Kosala na pouvoir. Mais lui-même sait que au sommet du monde, Nazana raison nga na ko kopé sa li susuté face à Félix Tshisekedi. Donc il faut voir les choses dans ce sens. Wana. Félicitations na président Félix Tshisekedi pour avoir compris la manœuvre qui fait que la plupart des négociateurs congolais bazo ko se faire piéger tant bazo kendaka en face à Rwanda. Biso ba politiciens na biso baza na légèreté à makasi, mais na ba dossier sensible ya mboka avant o kende batinda yo comme délégué représentant ya mboka, il faut service à renseignement ye ba yo malabu. Est-ce que tu ne peux pas trahir? Ça se passe dans le niveau de service et renseignement. Tout le monde peut devenir politicien et puis on lui confie une tâche, une responsabilité d'État. A comme il y a un moi, à langue, il y a un balamoko et il y a un vrai dossier. C'est compliqué. Ndeko moko pona ko parachever wana ndeko moko a pesinga yi information moko, ça m'a fait pleurer. Un monsieur, je préfère taire son nom, parmi les conseillers à président azaso ki collaborateur azana ni fiché na kati ya flash disk oyo ya ba mouvement ya ba troupe, juste prendre de jeunes militaires bazana kitona comme mabango ba se retrouver na est na position moko X. Mais ce monsieur-là se retrouve avec ce flash disque-là, avec toutes les informations. Wapi na Goma. A se retrouver à l'Alina Mwasi, ce qui Mwasi Andumba, ba yibi ye flash disque wana. Bake nango. Cette femme-là est partie, na carte bancaire na ye, na flash disque wana. Donc il a fallu qu'intervention ya renseignement militaire. A Kimimbangwa ya wa renseignement militaire ye kolandela. Bake ko kanga Mwasi wana na frontière ya Uganda. Na flash disque. Ma carte bancaire. So qui a pendaki na banque te pour a retirer mbongo mbele balinga ki bazwa trace te ya place balinga ki ba découvrir. Voilà la légèreté avec laquelle bactères, certains acteurs clés oyo bazali ko entourer Félix Tshisekedi na moment moko très sensible bazako kozwa na bango mboka makambo mboka na masiki. Tuko yebisa ngai basi ba yebi yo bongo ke chaque fois que ndaka soko ko ina hotel wano ke ina ordre de mission makambo ke na mweza sensible. On se retrouve à Namoisi Moko Yandumba na hôtel Moko Boué. Kobo Mayo est facile. Qu'on repère, qu'on soit d'informations, est facile. Que le président de la République fasse ça à chaque
moment où il s'agit de Rwanda. Oh, bah, c'est qui que, oh, numéro tel, Moutounini, à Congo, il faut attendre. Faites-les toujours accompagner des agents des services de renseignement. Et là, quoi, il faut sauver Bissou. N'a pas de point, Moussou, les alliés, les sous importants, les alliés, les Kambo, il y a Kagame, le Royaume-Uni, là. Ah, ceux qui ont aussi dit, Kami, déjà, Bakangio, Kingo. Vous êtes nombreux en ligne, mais likez, hein. Vous avez liké, vous êtes belés en ligne. L'actualité continue. Likez, partagez les lives, s'il vous plaît. Veuillez partager. Ceux qui déjà n'a mai, vous avez mis la mai. Vous avez déjà moutouzo l'ouko koufa. Même nyoka, a beaucoup important à ma canisina yo. Au kangi nyoka, nyoka zo soyo. Mais au diembeli kaka, au kangi nyoka zo soyo pour raisonner que nasa maya wa l'okola na zo tchola na koufa nanga. Peut-être nyoka ko sauvenga. Kagame a zappé n'engue wana parce que partout. Il va. Kagame, c'est encore a fait de tous ses moyens diplomatiques pour Akutanana, vice-président, premier ministre, il y a Royaume-Uni, le nouveau premier ministre. Tu es qui a eu la qui a chaleur, il y a pour Sakanate. Kagame a commis un point à l'oubli, à cause de l'Istambongote, Mbongo est déjà dans la qui n'a encore, il y a transfert, il y a des migrants indésirables. Oyo bakobanda ko uta Royaume-Uni bayaka na Rwanda. Kagame yemo kwa sa sauté premier à lobi mbongo ekozonga te to yokana kité na korke to banda kozongisa bino mbongo. Mais tant mayokani té na korke banda kozongisa bango mbongo, il fait maintenant tout pour aller rencontrer ces ministres là. C'est quoi l'objectif? Essayer de les convaincre bazongela madusu ya kala. Bazongela ndenge nini bazaye ko sala bachobo na bango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut revoir les contrats. On peut renégocier autrement. S'il y a des questions à droit de l'homme, nous devons revoir. Les messieurs qui viennent d'arriver dans le Royaume-Uni, Azali pe mutu moko, Azali tendance moko, Azali ko bundisa, ba tendance loko la yaba, Macron na banane. C'est en ce moment que nous pouvons profiter pour biso peto s'organiser la manière na biso. Kagame cherche encore. Soko monique Kagame a keyi kota football a moni pe tiseke di pa lekisaka relation te tiseke di pa landiye ti kote ya ba club ba football se le suivre partout baza kolandana na tiseke di lokola mpoko na nyao a monique na football là où il cherchait à créer une image ya président moko aza cool, il est maintenant avec les entreprises et les batu ya football. Kuna na football amoni makambo wa Paris Saint-Germain yindelie tiseke ya vandeli kuna akende koto yindelie akomi pe na NBA ya ba américain ya basketball bacha Rwanda vizai Rwanda bacha ka banini ba kubanda kocha kuna. Quand tu es criminel, tu restes criminel. Boza ba congolais dans vos organisations partout oyo bino bozali, vous pouvez faire passer le message que Kagame Azali criminel, ne laissez jamais Kagame libre. C'est un criminel. Ça, c'est plus important pour nous. L'organisation, nous insistons. Tout ça, comme on a chaque fois qu'on se frotte de la réalité, actualité, Madoussou et Zébélé, l'Occident, ils en a déclin. Bien que le monde, ils ont en phase Moussou, mais défaillance, il y a des Africains, il y a des États et Bélé africains, ils ont manqué d'organisation. Nous n'avons pas d'amour entre nous. Tous allés qu'on peine pour nous mettre fin à notre détournement. Tous ont qu'on cater qu'on sala ou ils allés simple et à qu'on sala. Comprenez qui veut, chers téléspectateurs. Monsieur Nanga et consort Bazali puni. Tous ici Tolobagi Ango, mais ministère public a ça comme porte-parole na biso. Na procès à Corneille Nanga na consort. Sort au Ezali Kozela Bango. C'est quoi le sort de Corneille Nanga na bato yo bazali kotambola na ye? Sort na bango Ezali ke bango nyonso sauf kaka moko. O Ezali ndeko na ye alobi atikala kokutana na Nanga te, Nanga sala kama kamuna ye pa sala kama kamuna ye. Bakangaki ye na bato ya Nanga te. Bango nyonso bazali condamné à la peine capitale. Peine de mort Ezali Kozela Bango. La deuxième chose, c'est que M. Corneille Nanga, na mwasi na yi, na Jean-Jacques Mamba, biloko na bango nyonso na Congo, ici est komi ya biso.
Là, je veille beaucoup. Tokende koluka monsieur Constant Mutamba, ministre na biso ya justice. Pour n'envoyer Bissé qui doit veiller, qu'on nous présente à la télé pour que ça serve d'exemple, les biens de Corneille Nanga. Mouna dit, ma petit mouro bazo nage na katia piscine, ya loupango ya Nanga. Et comme il bien public, balobi dommage, ministère public ya Congo a zana kanda, balobi 1 milliard de dollars, ya dommage et intérêt pour la préjudice causé. Donc la boumissi ba Congolais, ma bé a salé zali mingi, il faut ba fouta plus d'1 milliard de dollars. Américains, est-ce que Bangomou Baza déjà un milliardaire? Tu sais que Bande Konabiso que Mouté Mamoto Moto et Zapé Mabé, tu sais que il n'est pas Dieu, tout ce qu'il fait n'est pas bon. Pour mes sana qui collient en dengue à faux, pour mes sana ici bisopé ma Congolais collient en dengue à faux, tu préfères voler, tu préfères aller rejoindre les ennemis du Congo pour Zoa. Les loges échangés, tu sais que dit est faible à vos yeux, à quoi vous mettez Bino Bakop? Mais faites attention, ne faites pas comme en 2001, en 2002, en 2003 ou en 97. Oh, quand ici que soko kezamba ou la tiba bot, c'est facile de redevenir politicien. Bah monsieur suti le loa, bah Congolais tant bazolo ba ke bo si rappela na histoire, tout lingi mingi populisme ko beta ka maboko, rappelez-vous de l'histoire. Il y a certains politiciens tant total ka ba Congolais azo beta maboko na kati ya parti politique notre lobby. Ah! Peuple, yo mémoire est défaillante. Des partis politiques qui sont issus des mouvements rebelles. Mais les Congolais sont dedans. Les Congolais, bazanakati, des Congolais, ils vont. Faut te dire, Nan. Yo, le bao, tu sais que dit, Azo Kokate, tu sais que tu as créé la guerre, tu es Congolais. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Nous étions ici. Tu sais que tu n'étais pas dans la scène politique. Nous-mêmes, nous avons occasionné ça. Des Congolais qui ardèrent au RCD. Na ukende musika même pour parler du MLC balobi no bakenda ki pour bundisa Kabila surtout to lobi to kundola mabe za makasi mais peuple congolais a peuple moko oyo batu bazali ko finga d'avoir une mémoire courte au peuple a za na histoire ba politiciens mususu bazonyo ko la biso le loi ba koza na scène politique ite congolais nda sanctionna bango ata mutu moko ta ko iko soutenir bango mais malheureux pour nous malheureusement il y a des Congolais qui continuent à le faire. Nous attendons les biens immobiliers. Ba bien nyo so ya moi si ya nanga na nanga. Ya Jean-Jacques Mamba, ma pangu na yebo kangi, tout mou na yango. Et puis, et logo mounene to zali ko zela de la part. Il y a ministère na biso ya justice, et zali plainte contre Kagame. Cette plainte-là doit être accompagnée avec aussi la liste de tous les Congolais qui sont jugés et condamnés par l'État congolais. Ba Congolais wana bazali susu na droite ya ko circuler à travers le monde entier. Bazali ba terroristes, ils sont classés terroristes. Il faut écrire ça avec preuve à l'appui. Tala ba crime ya sala makina gishishi. Tala ba crime ya place telle. Tala ba crime o ezali documenté par les Nations Unies na ba expert na bango. Ba crime o nyonso esali que les Congolais oyo ba s'attacher na Kagame biso moko to sanctionner bango. Nous ne voulons pas voir des pays membres des Nations Unies héberger ces terroristes dans leur pays. Ba pays wana to classé ba mo pe comme il s'est entretenu comme d'habitude avant na lo bango il faut pena tout aborder ba balobi causerie morale au président beta kango ka soka ke il banda président a solula ka bien a se libéra ka ka soki azali banda face à la diaspora ne Toyoka ka président Zoluba. Est-ce que ça la rappelle pas si ko comme président yemwa beta li solwana en état à l'intérieur du pays wane zaka mutuna batuni na pe na tambwisi ya ngona komisa ngoli kolo eza zuwa te ya bato ya diaspora. Président Félix Tshisekedi a abordé question moko capitale. Question wana nde ekozala pe à l'ordre du jour. Même si les Congolais attendent le pain, les Congolais attendent la paix, mais il y a des questions importantes liées ma gestion na biso ya makambo etali nationalité double nationalité makambo ya changement constitutionnel ou révision constitutionnelle ezali ba questions importantes oyo ba congolais singeli ba se pencher parce que notre avenir en dépend les réformes politiques ba réformes ya administration ya mboka na biso ezali ko dépendre na importance oyo biso to ko pesa ma question ya changement constitutionnel. Si c'est que du Félix à lobby, du Kamwa double nationalité, il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut lobby l'amour. Il y a un problème, comme d'autres Congolais, parce que Bissot peut toujours avoir la nationalité à battre.
les Chinois peuvent devenir Congolais. Les Indiens, les Oumeliens, les Congolais, les Warao, les Ouest Africains, les déjà les Congolais, les Oumelaming, 20 ans, 30 ans dans notre pays. En tout cas, ils ont mérité les Congolais et puis ils ont une identité congolaise. Mais la question primordiale, awa ndi président komi ko koma chiko na makanisi na biso biso to banda kala de père et de mère. Est-ce que batwana toza d'accord que ba occuper certaines fonctions clés ya ba institution na biso. Tousi to komi na même longueur d'onde. Est-ce possible été tala mukolo président ya ko rejoindre Noël Tchang. C'est déjà maintenant clair. Cette question il faut la résoudre. Traîtrise et l'ekimi. Doit-on accepter qu'un Rwandais, na bosani ba preuve ngoi fallait na zala ngoa. Rwandais les Congolais le matin, Rwandais le soir. Il y a une grande partie, il y a ba soi-disant Congolais, oyo ba lo veulent être des administrateurs, ces gens-là veulent être dans l'armée des généraux, ba twana ba lingi occuper ba fonction a eu vraiment ses effets. Ba comme ici biso na point o esengela ki ba koma biso, ba comme ça biso, ezali que les Congo doit être un état inexistant. Tout ça pour peupler Congo, mais bah on baso mon abisso ba touté. Baso mon abisso ba congolais té. Et aujourd'hui la renaissance de l'état congolais c'est que esa question ya tiseke di té pour mikolonaye pousana. Tiseke di ça ça dépend de la volonté des Congolais. Mais la question principale est celle-là. Double nationalité oyo esa ka pe même pour na ba Rwandais té. Moi pour moi j'irai plus le même pour les Ougandais. Et puis, tu as banga, même gouverneur, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu même dit que tu gouverneur, et ça possible dit que tu as parce que tu as dit gouverneur, tu as dit que tu as dit que tu point dit que tu as dit parce que certains veulent comparer. Oh, moni na États-Unis, tel as dit que tu as dit président. Ce sont des États stables. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit renseignement, tu as dit que Obama yeyo. Fils d'un noir. Mais il a accédé au pouvoir. Pourquoi? Parce que grandi là-bas, né là-bas, a collé na moupe pakuna nyonso, ba maîtrisé malam. Tant voyez, l'eau passe à l'Africain, exaté. Il n'a pas été pour ses frères. Il a travaillé pour les intérêts américains. Ba contrôlé et ba géré bien. Mais si on a ba état le roi Yabiso Boetouzo, le canal, nous avons dit que verrouillé. Yo le bananga qui est au commande, la mort, on a dit que France, on a commandé que les États-Unis. La France, des soi-disant Français qui disent que certains postes clés doivent être réservés aux Français d'origine. Et pourtant, il y a un peu de temps qui a été fait. Il y a un peu de temps qui a été fait. Il y a un peu de temps. Cette question doit être résolue. Si c'est que dans le monde sérieux, mais les Congolais ont été fait à la place de Boumissili, les complots ont voulu que. Nos réflexions se limitent là où le ventre s'arrête. Donc, nous allons nous déplacer pour réflexion avec Souki. Si on l'a quitté, on va tout le monde européen au Canada. Mais résistons, chers Congolais, et quand il y a bonne gouvernance, c'est aussi une implication à Congolais et Moko. Surtout comme il y a de la Bango, le Gola Banamike, il va changer. Émission, il y a Moko Lalelo et Komina Souka, vous étiez en ligne nombreux, de partout à travers le monde en train de suivre Samba Olonga. Ne quittez pas sans liker. Partagez l'actualité. Yamutuya ezali Congo na mutema. Yamutuya ezali Bolingo ya Congo. Yamutuya ezali Bamoko. Bendele Kweyate. Merci. Nabino Nyonso Bolandi de partout. À travers le monde, l'émission Debout Congolais. Merci Nandekombi Yachande. Merci à Papa Freddy Ngwama. Papa Boniface Mpunga. Papa Paulin Chika. Bill Bilonda, Maman Lisette Mbendou, Maman Anima Samba, Baignon Sobolingaka Samba Olonga, Yamutu et Zaka Bolingwa Congo. Ce qui m'a séparé sur eux, c'est exact. Mais l'important, c'est que les Congo gagnent toujours. Nous devons gagner, faire avancer notre pays. Wazalendo Namotema, Fardese Namotema, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.